Je dis ok. Salut à tous, obligé d'ouvrir ce vlog avec ce joli plan. Il est quelle heure? Doit être 7h. Je suis arrivée encore depuis 6h et depuis qu'on a commencé le sport, je crois que je dors mieux et du coup 6h, pam, réveillée. Bref, voilà, on va aller déjeuner. On va déjeuner, Jackie. J'adore me faire engueuler dès le matin. Oui, j'arrive. Merci. J'ai terminé le petit déj, je suis sur le point de faire couler, je finis toujours par le café. Et voyez, pendant ce temps-là, monsieur s'est installé, tranquillou. Ah, maintenant que j'ai ouvert tous les volets. Programme d'aujourd'hui, j'ai pas le choix que de me mettre encore à faire du ménage, du rangement. Alors, je vous explique les petites choses qui se profilent. Y a des petits changements de programme. J'allais m'avancer pour l'autre chaîne, la chaîne des box, en tournant une box. Je faisais également des tests de lumière avec mes projos, bref. Quand je me suis aperçue que ce téléphone avec lequel je filme, bug, merde, de plus en plus. Je vous en avais déjà parlé il y a quelques semaines et que j'étais dans l'optique de passer au P30 Pro. Donc moi, j'ai le P20 Pro et c'est ce qui se fait mieux, hein, le P30 Pro en termes de photos. Donc vu que là, ça va plus du tout, je vais changer de téléphone d'ici une heure. C'est cool, je suis toute excitée parce que bon, c'est quand même vraiment ce que j'utilise tous les jours. Ça fait plus d'un an que j'utilise celui-là, tous les jours, à fond vidéo. Bien évidemment, je vais faire pas mal de petits tests en rentrant. Et vous avez vu aussi que j'ai reçu un paquet ce matin. Je vous montrerai tout ça tout à l'heure aussi. Ce midi, pour moi, je vais me faire ça. C'est les restes, ma maman m'avait donné ça, la petite lentille froide avec le reste de sa tarte. Ça va être parfait. Ça. Je suis revenue. Et... ben voilà, regardez-moi cette merveille. Je l'ai pris en acré holographique, c'est le P30 Pro. Je suis restée 2 heures, ils ont été hyper sympas, hyper pro chez Orange. Moi je suis chez Orange. Franchement j'ai hâte de l'essayer vraiment, parce que là vraiment je le découvre en même temps que vous. Le truc qui m'inquiète un peu, c'est, je vous ai dit, hein, c'est tous mes mots de passe qu'il faut que je retrouve. Donc tous mes réseaux sociaux, tout connecté, bref, retrouver tous les codes. Nous voilà, face à face. Peut-être que les couleurs sont un chouille terne, mais ça peut peut-être s'ajuster. Je sais pas quoi, qu'en même temps, c'est peut-être assez réaliste, hein, justement. Le son, bah, j'en sais rien tant que j'ai pas fait le montage, mais bon, il n'y a pas de raison qu'il soit en tout cas de moins bonne qualité que celui que j'avais, donc ça c'est plutôt bien. Et les photos, j'ai testé là, oh, c'est canon. Avant que j'oublie, quand j'étais chez Orange tout à l'heure, j'ai reçu un message donc, de TF1 me demandant de les rappeler. Ils m'ont me demandant si j'acceptais que un extrait d'une de mes vidéos, donc Birchbox, soit passé, donc vraiment l'extrait genre 3 secondes, hein, sur TF1. Donc ça allait passer ce week-end, donc ce soir. Elle pense que c'est peut-être vendredi dans le journal du soir de 20h, mais ça peut être samedi, ça peut être dimanche, ça peut être le midi, bref, bon. Vous pouvez regarder, on sait jamais, là, finalement, dans... vendredi à 20h. Et je voulais vous dire autre chose. Oui! Ben non. En ce qui concerne l'autre côté de la caméra, bon bah, autant dire que c'est juste parfait. Et vous savez quoi, avec tout ça, j'ai oublié de faire le ménage. C'est plutôt très cool tout ça. Et mais j'ai aussi oublié de vous montrer le colis de matin. Bon, je vous pose et puis on regarde ça ensemble. Alors, il s'agit en fait de la marque Ice Watch qui m'a contactée dernièrement me demandant si je souhaitais découvrir leur nouvelle collection et la présenter. Donc, j'ai choisi un modèle et je vous montre tout de suite. Et ça, super sympa qu'elle mette le petit mot comme ça. Donc, la collection s'appelle Ice Pearl. Très bien présenté, on est d'accord. Voilà, déjà, la boîte, ça le fait vraiment. Moi, j'ai choisi donc le bracelet blanc. Et à l'intérieur, en fait, c'est de la nacre. Donc, j'ai demandé l'intérieur rose et rose gold. Je vous montre le modèle que moi, j'ai choisi. Après, je vous montre tout ce qui est possible. Et donc, là, voilà, de plus près. En fait, c'est un cadran unique. C'est, comme je vous disais, c'est de la nacre 100% naturel. Et elle se décline en plusieurs coloris et plusieurs tailles. On a bleu marine, noir. L'intérieur peut être bleu marine, peut être noir, peut être plus blanc, on va dire. Voilà, là, on voit mieux les petits modèles du haut et le modèle que moi, j'ai, en fait. C'est celui-là. J'ai le Pearl Pink et c'est un small and medium. Et voilà ce qu'elle rend portée.
Elle est très très agréable, hein. Hyper légère, donc ça c'est quelque chose que j'apprécie. J'aime pas quand j'ai trop de poids. Oh, elle est vraiment belle, donc je vous mets de toute façon le lien en barre d'infos de la marque. Je me suis installée juste pour faire un test avec ce nouveau téléphone, les facecam, comme je tourne beaucoup de box et ce genre de choses. Là j'ai mis les Projo, j'ai une tête explosée, ça fait deux matins de suite que je me lève à 6h, je me couche tard. J'ai la marque des lunettes. Bon, je ne suis pas du tout apprêtée, c'est vraiment pour faire un test et voir si ça scintille ou ça scintille plus derrière. Je sais plus si je vous l'avais dit. Non, je ne vous l'avais pas dit. Que en fait j'avais un problème, ça scintillait quand je mettais les projecteurs. Et le problème c'est que il va commencer, les jours vont raccourcir, donc il faudra que je les sorte. Et je voulais faire des tests. Bah, ça m'a l'air pas mal. On va voir. Et on a oublié quelque chose. Est-ce qu'il est beau avec ma nouvelle caméra, mon Jack? Ah non, pas le tapis, hein. Mais c'est qu'il est encore plus beau comme ça. Oh, que tu es beau, mon fils. Fais voir tes petits yeux. Les beaux. Alors, pour fêter ça, bah oui, on peut fêter ça aussi. On va chez McDo. On est au drive et il y a un coucher de soleil. Oh, vous allez pas voir, c'est magnifique. Mais vraiment, donc là, je suis vraiment hantée. J'ai envie de tout tester tellement c'est chouette. Je trouve que la qualité, comme ça, même le soir, ça rend plutôt pas mal. Hein. Voilà, pouette à partager chèvre. Vous va y arriver. Hein. Alors, barbecue chinoise, barbecue, curry. Et curry, s'il vous plaît. Donc un total de 320 euros. Merci. Et si on allait manger? La nana qui lâche plus sa perche, enfin son téléphone. Aussitôt arrivé, aussitôt sorti des trucs, hein. Tu perds pas une minute, toi. Hein. Ça, c'est la boîte à partager, mais je donne tout le reste à Eric. Moi, j'aime bien les petites mozza. La potatoes, vous avez vu la qualité. Non. Le signature, voilà. Ça pris en flag quand je vous dis que c'est un voleur. Bah, tu peux y aller, il n'y a plus rien. T'as l'air malin maintenant. Tu t'arrêtes. Non. Je vous retrouve le lendemain matin. J'ai fait de beaux rêves, j'ai rêvé de mon téléphone. J'ai reçu ça ce matin. Ça m'est passé un énorme colis. J'avoue que je ne sais pas trop parce qu'effectivement j'attends des choses. Mais je pense pas que ce soit ça, ça me paraît un peu tôt, donc on va regarder ensemble. Il s'agit donc de ceci. Qu'est-ce que c'est? C'est un système de blanchiment dentaire de la marque Snow. Alors, je vous arrête tout de suite. Pourquoi j'ai accepté? Déjà parce que ça ne nécessite pas une consultation préalable chez son dentiste. C'est une technologie quand même qui a été primée par les dentistes, qui a été brevetée. Ce sont des ingrédients d'origine naturelle. Bref, il y a plein d'éléments qui font que je me suis dit, vas-y. Je sais aussi que c'est cruelty-free, que c'est indolore, que ça dure 9 minutes. Donc, on a déjà une boîte comme ça avec tout nécessaire dedans. J'avoue que j'avais déjà testé donc d'une autre marque j'avais arrêté parce que il disait que fallait pas avaler le produit, bref c'était pas rassurant. On a donc le petit câble parce que c'est quelque chose qui est connecté à son smartphone et en dessous on a tous les petits sérums nécessaires pour blanchir, mais c'est pas tout, il y a également un exfoliant pour les lèvres, très très beau, hein. Donc voilà, c'est vraiment complet, hein. Ah, c'est du fil dentaire, d'accord. On a également ça, donc ça, ils disent que c'est un sérum également, avec l'embout pinceau. Ceci, alors je ne sais absolument pas ce que c'est, mais c'est un bel objet. Et un lip traitement menthe, donc ça, ça doit être un baume également réparateur. Voilà, et on a aussi un soin, je crois, pour les gencives. Et la petite grille pour voir l'évolution un peu du blanchiment. Donc bien évidemment, je vous parlerai de l'évolution hein, au fur et à mesure. Je vais arrêter maintenant cette vidéo. Tout simplement parce que ce que j'ai pas pu faire hier, il faut absolument que je le fasse aujourd'hui. Et donc ça va être chiant pour vous. Hein. Il y a du tournage, il y a du montage, il y a de la paperasse, donc non. Par contre, on se retrouve dimanche soir parce que demain, j'ai un programme hyper sympa, hyper original. C'est en extérieur, tout ça. Donc je vous invite à
à me retrouver en fait dimanche dans le prochain vlog. Si vraiment j'ai réussi à faire tout ce que je voulais faire, je vous mettrai peut-être une vidéo en face cam, je sais pas, demain, mais comptez plus pour dimanche, voilà. Je vous fais un énorme bisou, vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout et on se retrouve donc dimanche. Salut !